Salut tout le monde, aujourd'hui je découvre et je commence peut-être une petite aventure sur Turmoil, comme vous pouvez le voir. Alors oui, j'ai découvert le jeu grâce à The Fantasy 974, qui a lui-même fait, qui a même commencé un petit let's play dessus, quoi. J'ai découvert le jeu grâce à sa vidéo, j'ai trouvé le jeu intéressant et assez fun à jouer, donc du coup je me suis dit je vais m'y intéresser, je vais le prendre. Et pourquoi pas ne pas faire aussi des vidéos dessus. Alors bon, il y en a qui vont dire que je fais concurrence à Fanta. Je pense pas qu'on peut parler de concurrence en termes d'audience que lui il a et que moi j'ai. Enfin bon, peu importe, hein, je me fiche un petit peu des avis qu'on peut se faire là-dessus. Moi j'ai trouvé que le jeu avait l'air sympa, je voulais juste tester de mon côté et d'en faire une vidéo, d'en faire un peu de commenter par-dessus mon ressenti. Alors du coup, Turmoil, qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeu qui est en Early Access, si j'ai bien compris. Donc c'est la version 0.0.0.185, là comme vous pouvez le voir en bas à droite. C'est-à-dire que le jeu sera encore updaté, je dirais, dans les semaines, dans les mois à venir, quoi. Ce n'est pas forcément une version définitive. Autrement, il est disponible depuis le 5 juin 2015, donc sur Steam, à 10€. Alors je ne sais pas si le prix varie, moi je l'ai vu à 10€ en tout cas. Donc c'est un jeu indé, un peu de simulation dans un univers western, de mania du pétrole, on va dire. L'idée en gros c'est de récupérer du pétrole, puis de faire de l'argent, avec, et puis d'être le plus riche, quoi. Enfin, c'est assez basique, je dirais, comme concept, mais ça a l'air d'être assez fun. C'est développé par Gamius, édité et développé par Gamius, donc c'est de l'indé comme on aime. Voilà, voilà. Et ben on va lancer le jeu, hein, et on va découvrir ça ensemble. On va faire une campagne, on va voir. Alors, donc le jeu est en anglais, donc je vais traduire un petit peu les instructions et ce que je suis en train de faire. Quand vous aurez un petit peu compris comment ça fonctionne, il n'y aura plus besoin de traduire. Donc du coup, on peut choisir notre personnage, on a Blanche, Ricardo, Daisy et Joshua. Et on peut choisir aussi un petit peu l'endroit. Alors... on a leur bio aussi. Hello there, does being a lawyer sound interesting? Well, in truth, it's kind of boring, and I couldn't handle it. I've got a serious case of oil fever, and the only cure is finding oil. Voilà, je parle les accents bien américains. Ricardo, buenos dias. I have sailed the world as a ship captain for years, and I can't even swim. I don't want to worry about drawing anymore, unless it is money. Ok. Daisy. Bon, les bios, c'est pas forcément intéressant que je vous les traduise. Delighted to make you acquaintance. I made a nice living in real estate, but it's time for a new business plan. I'm going underground. I don't like daily dining, so let's go to work. Et enfin, Joshua. Hardy, partner. This dude has been herding cattle long enough to know that nights on the prairie are cold and lonely. I hope earning money with oil is as easy as throwing lassos. Ça, c'est un bon américain comme on les aime. On va prendre Ricardo. Et on va prendre les plaines, voir des faux. Puis on va voir. New player are strongly advised to start on fertile lands. D'accord, donc c'est un peu un niveau de difficulté. Je pense que c'est un niveau de difficulté. Bon, on va faire les plaines, hein, comme ils nous le recommandent. Et on démarre. Alors, oula. Alors, we are moving to new era. It seems that diamonds can be found over here. So I train the moles so they can dig those precious diamonds up. Alors, Edward nous dit qu'ils sont en train d'aller dans une nouvelle zone. Apparemment, des diamants peuvent être trouvés là-bas. Et qu'il a fait en sorte qu'on puisse creuser pour avoir des diamants. D'accord? Des diamants. Voilà. Fred. Redneck. We are going to uncover the new land. This place has underground rock layers, so I have a special toilet for you again. Ok, donc là il dit on va découvrir de nouvelles terres. Donc ouais, c'est un petit peu dans l'esprit conquête de l'Ouest. Western conquête de l'Ouest, quoi. This place has underground rock, blablabla. Il a fait une foreuse permettant de percer le sol. Ok. Alors, stable, workshop, saloon, town hall, bank, factory, d'accord. J'ai 20 000 dollars. Chacun a 20 000 dollars. Qu'est-ce que je suis censé faire concrètement? Je sais pas trop exactement
où ce que je suis, ce que c'est une sorte de menu, une sorte de hub principal. Alors essaie, achète-moi des trucs, tu ne vas pas le regretter. Diamond, scanner, d'accord, on va rien acheter. Hein. Lui me disait quelque chose également. What technology do you want me to improve your own? D'accord. Alors je pense que c'est une sorte de d'espace, on va dire, à chaque fin de partie où on peut acheter de nouvelles améliorations pour progresser. Du coup, on va pas forcément faire. D'accord, ça me renvoie les... ça me renvoie à l'écran principal. Ok, je pensais que c'était... Alors ça, je l'ai vu. Ah, lui, je l'avais pas vu, tiens. Alors, il y a quelque chose à faire, j'ai juste pas encore compris. Ça va venir, vous inquiétez pas. Ah, bienvenue dans ma banque. Ici, nous pouvons parler de money. D'accord. Change en cage. Ok, donc on peut faire des prêts. On peut lui vendre des diamants. Non. Mais je sais pas combien j'ai de diamants, concrètement. Si je clique sur mon personnage. Non. Si je clique sur les autres. Non plus. Stable. Je sais pas si je dois acheter plein de trucs là parce que. Ah, alors, Jill nous dit où est-ce que tu dois. Qu'est-ce que tu veux aller? Mais d'abord, tu dois réclamer une partie de terrain à Town Hall. Bah oui, si je veux exploiter de l'huile dans les sous-sols, il faut d'abord que je possède un terrain. Du coup, il faut que j'aille au Town Hall pour acheter un terrain. Bah oui. Le maire avec sa belle moustache. D'accord, on peut choisir une parcelle de terrain. D'accord, super. Alors eux, ils sont en train de se positionner, d'accord. Alors, let's start bidding. Pick an area. The numbers on the minute parcel indicate the amount of oil they add. Attends. The numbers on the minute parcel. D'accord, donc les chiffres qui sont indiqués sur les parcelles indiquent la disponibilité de pétrole, sauf que là il n'y a encore rien, puisque je pense qu'on n'a pas encore analysé les zones. Ok, till next year, gacha, beat me. Ah d'accord, c'est ça, ouais, c'est une sorte de. Bah, comme j'ai vu un petit peu dans la vidéo de Fantin, parce que je l'ai vu comme ça un peu vite fait, hein, j'ai pas forcément tout regardé en long, en large et en travers. En gros, là il y a une sorte de concurrence en fait entre les quatre personnages, donc du coup, genre, on a un an pour pomper le maximum de pétrole et faire le maximum de cash. Du coup, bon, on va choisir une parcelle de terre. On va prendre celle-là. Hop. Ça nous coûte chacun 2000$. On peut revenir en ville, parfait. Et donc c'est bien ce que je pensais, on peut acheter des améliorations ici. On va rien faire pour le moment, je vais juste garder mon fric et puis on va voir ce qu'on fera après. C'est juste pour comprendre. Dig. Let's get die. Oh, we're checking $2000 with us to cover the startup costs. I really go. Yes, I am. Eh ben, allons pomper de l'huile. Alors, comment ça se passe? Donc ça, si j'ai bien compris, c'est là où on échange l'huile. Alors attendez, parce que là, je peux pas faire une pause. Voilà, parce que j'ai vu que la dette est en train de... Land lease ends on December 31. Ok, c'est ça, on a toute une année pour pomper le pétrole, et du coup, voilà, faut pas non plus... tarder, j'ai déjà perdu 3 jours. Donc si j'ai bien compris, Left Inc. et Right Inc. ce sont des usines qui vont nous prendre notre pétrole contre de l'argent. Donc il faut surveiller le cours du dollar, donc là 52 à gauche et 0,52 à gauche et 0,96 à droite, et voir quels prix sont les plus concurrents. Voilà. Finance. Are you a dozer to find oil? Buy a mold to look for oil. D'accord, donc ça, ce sont des petits modules qui nous permettent, on peut avoir une taupe qui scanne la zone pour savoir où se trouve l'huile. On peut acheter donc des puits. Ça, c'est des silos pour contenir l'huile. Et ça, ce sont des wagons pour transporter l'huile. Ok. Alors, on peut faire pause ici. D'accord, ça revient même à ce que j'ai fait. Parfait. Alors, du coup, on va d'abord mettre un puits. Quoique non, on va d'abord scanner. Hop. On va d'abord faire scanner par une taupe.
Je découvre, hein. Honnêtement, je découvre. Ouh, la taupe. Aussi, on va engager une sorte de je sais pas de douceur, ce que c'est exactement, mais un mec qui recherche de pétrole avec un bâton. Bon, je pense pas que je vais être le premier dans cette première partie, mais au moins je vais comprendre un peu comment ça se déroule. J'ai la taupe encore qui creuse, j'ai l'impression. Mais encore. Bon, écoutez, on va mettre un puits parce que sinon on va perdre trop de temps. On va mettre un là. Toc. Et ensuite. Qu'est-ce que t'as, toi? Pourquoi tu siffles? Et ensuite, on peut. On peut utiliser, donc, faire des tuyaux. Ok, alors. Donc là, je peux maintenir la souris et mettre un tuyau. Bon, on va en mettre un. Pas trop cher non plus. Voilà, 170. Qui descend jusque-là. Et on va voir s'il y a du pétrole. On va aussi prendre un, mettre un silo. Et après, on prendra un wagon. Il n'y a rien, en fait. Pourquoi il me fait avec son chapeau, lui? Il a quelque chose à me dire? Ah! Il a percé quelque chose. Ok, j'ai trouvé du pétrole. Bon, au moins, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Donc, il me faut un wagon qui s'en va au puits et qui va récupérer, normalement, le pétrole. Ok, ça se remplit. Et il l'amène au silo. D'accord, ok, très bien. Je peux upgrader le silo, et ça c'est quoi? Je sais pas, je peux augmenter les chiffres, je sais pas à quoi ils servent. Comment je peux demander à ce qu'ils aillent dans les zones? Attendez, leurs finances. D'accord. Ok, donc là c'est pour faire des emprunts, mais ça m'intéresse pas pour l'instant. Si je fais un, alors peut-être que c'est là où je dirige mon transport. Si j'ai vu que j'ai un seul transport et que j'indique un à tel endroit, bah, du coup c'est peut-être plus lucratif de le mettre là-bas. Ok, il s'en va. Il s'en va donner donner l'huile là-bas. Ok, très bien. Du coup, bon, on va en mettre un autre wagon, parfait. Donc là, il s'en va à la Left Inc. pour échanger le pétrole. Et l'argent, il grimpe pas mal même. Ok, d'accord, j'ai pigé le truc. Alors juste, je sais pas le silo, comment je pourrais donner mon huile collectée. Peut-être à la fin. Oula, mince. Ben, j'ai augmenté sa capacité. Je sais pas comment je pourrais donner mon huile dans les usines après. Bon, je sais pas. Bon, du coup, bon, on va mettre deux là-bas. Puis je serais d'avis de pomper. Sachant que le truc qui descend, on va mettre deux tuyaux. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais on va essayer. Ok, c'était une mauvaise action de ma part. Faut que je revienne un peu par là. D'accord, ça je pompe un peu. Parfait, par contre ça me monte beaucoup dans le puits là. Peut-être mettre un troisième transport. C'est lent en fait, hein. Je sais pas s'il y a un bouton pour accélérer, mais en fait c'est lent. C'est un jeu relativement calme à jouer, alors à regarder je sais pas si c'est très intéressant non plus, parce que c'est assez calme. C'est la simulation de la gestion un petit peu. Je pense qu'avec tous les autres modules
qu'il y avait dans l'écran précédent, on peut améliorer un petit peu, je dirais, la nervosité du jeu. Oula, par contre, on va plutôt les mettre là-bas, les transports. Franchement, en plus, qu'ils sont plus proches du puits, ouais, c'est pas une mauvaise idée, ça. Parce que le cours du dollar a augmenté. Avec les touches, les numéros, les chiffres, enfin, comment on appelle ça, ouais, enfin bref, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut choisir ce qu'on veut faire construire. Il a 8 centimes, enfin 8, ouais, 8 cents. C'est vraiment bas. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être qu'il y a une sorte de gestion avec le fait que j'envoie tout là-bas à Wright Incorporation. On va essayer de mettre un puits de pétrole là. On va creuser un peu. Ah, et les réserves s'amenuisent un petit peu là-bas. Mais du coup, faut que j'aille un peu plus en profondeur, j'ai l'impression. Bah oui. On ne peut pas pomper indéfiniment du pétrole. Là, je viens de voir que les chariots sont la couleur où est-ce qu'ils vont. Genre, le rouge va au rouge et le bleu va au bleu. Par contre, je sais pas comment on change ça. Si je fais ça, lui, il est neutre. Si je fais ça, il devient rouge. D'accord, je teste de temps. Bon, bah, les choses se passent et se déroulent. On va laisser pour l'instant pas mal. Hein. J'ai deux puits, trois chariots. Bon, j'ai un silo qui. Je vois pas trop son utilité encore. C'est pas mal. Par contre, là, il est en train d'augmenter pas mal. Là. Les gens, il faudrait peut-être penser à aller là-bas. Là. Ouais, bon, c'est un jeu assez reposant en vrai. Hein. C'est pas nul. Je vais attendre de voir les autres modules qu'ils présentent pour perfectionner un petit peu le gameplay. Quoi. Mais. C'est sympa, c'est reposant. Voilà, alors j'aurais sans doute fait une coupure au montage, parce que c'est assez long et il se passe pas grand chose, pas forcément très intéressant à vous montrer. Donc il nous reste un mois, c'est le dernier mois. Donc j'ai 5 transports en activité, 2 à gauche, 2 à droite, un qui remplit le silo. J'ai 4 puits, dont celui à tout à droite qui est complètement épuisé. Celui-là, là, que j'ai mis tout en premier, bah, fonctionne toujours. D'ailleurs, je vais un peu creuser encore. Et celui-là, pareil, je pense que c'était une grosse poche. Donc c'est pas mal. Donc ouais, apparemment, là, les tuyaux bleus, c'est en fait, je les ai élargis. Alors, je sais pas comment j'ai fait, mais apparemment, ils sont élargis. Du coup, ce qui fait que du coup, il y a un meilleur flux de pétrole qui est pompé. Et donc bah, là, on est à quasi 8000. Je pense qu'on va atteindre les 8000$ à la fin de l'année. Donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. On va voir par rapport à nos autres concurrents ce qu'ils auront fait. Donc voilà, donc moi j'aurais fait une petite coupure montage, que c'est vrai que c'est pas intéressant, quoi, j'ai rien à dire, et puis il n'y avait rien d'autre de nouveau qui se déroulait, quoi. Donc voilà. Du coup, bah, je sais pas trop, je pense pas que je vais en faire un let's play ou carrément un truc plus d'une vidéo, hein. Je pense que je vais pas forcément faire une vidéo après. C'était juste pour découvrir un petit peu ce que ça donnait. Peut-être que moi de mon côté j'y retournerai avec les nouvelles fonctionnalités qu'on peut avoir, notamment dans les outils, enfin qu'on a vu dans l'écran précédent, enfin en début de jeu. Voir un petit peu si ça améliore, je dirais, le gameplay. Après voilà, quoi, il n'y a pas forcément grand chose à faire et à dire de plus, je sais pas. Après ouais, c'est un early access, hein, on va voir si ça s'améliore. Mais en y réfléchissant, bon. Ce genre de jeu est sympa, mais après qu'on y ait joué, je sais pas, peut-être 5 heures, qu'on y ait vraiment joué, voilà, le pousser un peu jusqu'au bout, quoi, avoir compris un peu comment ça fonctionnait, comment la technique pour avoir le maximum d'argent et être le plus concurrent, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre, quoi, honnêtement, je sais pas. Moi j'aime bien les jeux de style simulation stratégie, mais il y a un moment en fait où vous avez beaucoup joué et après bah vous savez plus quoi faire, quoi. C'est un peu comme City Skylines, vous voyez, moi j'y ai joué beaucoup pendant plein de jours, enfin pendant une semaine j'étais férocement dessus, quoi. Et puis après j'ai complètement lâché parce que, bah c'est pas que ça m'a gavé, mais j'y voyais plus un intérêt, quoi. Du coup, bah ça fait un peu pareil. Oula, qu'est-ce qui se passe? Tout le sol est en train de se... D'accord, en fait, ça dévoile un petit peu où étaient les poches. Ah ouais, j'avais une bonne grosse poche, là. Mais c'est quoi les cailloux, là? Ah, c'est des diamants. Ah oui, ils en parlaient, exactement. Genre, j'aurais pu avoir
Récolter des diamants, d'accord, d'accord. J'aurais pu récolter des diamants, mais du coup, bon à savoir. Ah, il y avait une autre poche aussi là-bas à droite, d'accord. Bon, ben, j'en ai épuisé une bonne et puis une autre aussi. Ok, alors, j'ai gagné 15 087 et 15 cents dollars. J'en ai dépensé 6 546,45, ce qui me fait donc un profit de 8 540,70 dollars. D'accord. Donc là, il y en a quelques moyennes. Là, c'est ce que j'ai dépensé. Il y a des screenshots aussi. D'accord, donc ça, c'est le screenshot de fin. Ok, pas mal. On peut retourner au village. Ok, et je suis... Ben, je suis pas le premier, parce que j'ai 24 540, et tous les autres ont plus que moi. Je suis deg. Je pensais vraiment en avoir plus. Et du coup, on peut donc améliorer un peu ces... Alors, donc on peut upgrader ça. D'accord, ça c'est pas mal. D'accord, ça c'est pas forcément utile. 25 000, ça, ça améliore la vitesse, d'accord, ça c'est cher. 10 diamants, ça, ça fait quoi ça? D'accord, ok, donc du coup les diamants, j'aurais pas pu les creuser puisque j'avais pas l'amélioration. Ok, alors le scanner, le vrai scanner. D'accord, bon, ça améliore un petit peu ce qu'on peut faire, ok. Le saloon. C'est quoi ça, visiteur? Oh, intéressant! D'accord, en fait, donc du coup, on peut aussi améliorer notamment le banquier, qui si on l'emprunte, les intérêts baissent de moitié, et lui, il assure que le dollar restera, enfin, le prix restera au plus d'un dollar. Du coup, ça c'est pas mal, je vais le prendre. Du coup, il ne reste plus que 1000 dollars. Je vais juste regarder un petit peu les autres améliorations, et après, je vais m'arrêter là. Alors, c'était quoi ça, les chiffres déjà? Ah oui, je peux acheter d'autres parcelles de. Comment dire, je peux acheter d'autres parcelles de terre en fait. D'accord, ça c'est bon à savoir aussi. Les chiffres, je sais plus ce que c'était exactement. Ah oui, du coup, vu que j'ai déjà joué, je peux pas forcément. Enfin, peut-être que je peux y revenir, mais du coup, les poches de pétrole seront vides. D'accord, ok. Ok. La banque. Ça d'accord, ça c'est les statistiques, ça c'est si je veux faire un emprunt, et ça si je veux vendre les diamants, sauf que j'en ai pas. Et ça voilà, donc du coup ça c'est pour par exemple améliorer la taille du silo, dont je sais pas trop ce que ça a servi au final. D'accord, ça ça change les puits. D'accord, donc ça c'est des perceuses plus fortes et... rigs are not better resistance against high pressure. D'accord, donc ça c'est un truc avec la pression, sauf que du coup, bah, j'ai pas eu ce souci là. D'accord, ok. Donc, du coup, si je reclique là. D'accord, du coup, je peux pas. J'ai pas l'impression que je peux retourner là où j'ai déjà creusé en fait. Puisqu'il faut 2000 minimum. Donc, du coup, il faut que. Ah merde, j'aurais pas dû faire autant d'achats. Du coup, il faut que j'emprunte. Pour au moins avoir 500, faut que j'emprunte au moins 1000 pour être sûr d'acheter une autre parcelle de terre. D'accord, ok. Bon bah, je vais revenir avec un titre. Hop. Bon bah voilà, bah, du coup je vais m'arrêter là, je pense que la partie en fait je vais continuer de mon côté, histoire d'améliorer un petit peu mon exploitation. C'est sympa, là j'ai vu avec les améliorations, les upgrades de différents items, de différents... De ce qu'on peut faire là, genre notamment les transports ou même les perceuses, c'est vraiment pas mal. Enfin, c'est pas mal, j'ai envie de voir un peu si je peux m'améliorer. C'est vrai que c'est un petit peu chiant, enfin, c'est un peu long toute l'année et puis il n'y a pas grand chose à faire quand vous avez mis un peu des puits partout, vous attendez juste que ça se remplisse quoi. À voir, donc je pense que je vais continuer de mon côté. Si ça vous intéresse un petit peu ce genre de jeu, bah, je vous le recommande, c'est sympa, c'est relaxant. Du coup, voilà, donc c'était Turmoil. Petit jeu sympa.
Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Salut !